Bon, bonjour tout le monde. Moi, mon nom c'est Ren Ali Ahmed et je suis une ancienne élève de la classe de Terminale S et future élève en école de médecine. J'ai pu participer cette année au concours panafricain de mathématiques, plutôt pas au concours mais aux Olympiades panafricaines de mathématiques. Ce fut un énorme plaisir. L'édition s'est déroulée en Afrique du Sud. Pour nous, ce fut un plaisir. Pour une première participation, on a pu ramener au pays une médaille qui a été ramenée par ma camarade. Et bon, on en était énormément fiers, bien sûr. L'émotion sur place était tellement incroyable. On a rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'élèves, de camarades. La sensation était tellement belle et incroyable. On a tissé des liens, on s'est beaucoup attaché aux élèves. En une semaine, on a tissé des liens énormes au point où c'était dur de s'en séparer à notre retour. Mais bon, heureusement, on est en contact. C'est ça le point bénéfique. J'encourage fortement l'association Adamat, tous les professeurs qui y adhèrent, les formateurs, les encadreurs, etc. Un énorme plaisir. Je les remercie énormément. Je tiens à remercier également le ministère de l'Éducation nationale pour son soutien et ce fut un énorme plaisir pour moi. Bonjour, je m'appelle Loa Salem Ahmed, je suis une étudiante de la terminale S. Notre participation est une première fois dans l'histoire et pour une première fois, je dirais même c'est exceptionnel. On est quatre à participer dans cette Olympiade, dans cet événement. Moi, pour Loa Salem Ahmed, ainsi que les autres, il y a Ryan, il y a Mohamed et Barak. Et on a obtenu une médaille bronze. Déjà pour une première fois, je dirais aussi que c'est extraordinaire. On avait rencontré beaucoup de cultures. Ainsi, on a fait connaissance à beaucoup des amis. Et c'était vraiment triste et nostalgique de se séparer. Et je remercie plus précisément le ministre de l'Éducation nationale qui nous a permis ce voyage. Il nous a tout payé afin de participer et être parmi les autres. Et ainsi que nos encadreurs qui nous ont soutenus et aidés pendant notre parcours, ainsi que l'inspecteur général de mathématiques, Ahmed Abdo.